la terre, tout en faisant sa ronde. Le Seigneur jugeant en somme qu'il manquait le minimum, il créa la femme et l'amour qu'elle a donné aux hommes. Arras. Au XVIIIe siècle, la ville est prospère grâce à ses foires nombreuses où convergent les grains, céréales et produits maraîchers de toute la région. Mais point de porcelaine dans tout cela. Oh, bien sûr, il y a au tout début de ce siècle de lumière le sieur Mathieu Sedon qui fonde une manufacture, mais sans grand lendemain. Il y a aussi la famille Delemère, qui tient boutique, vendant des faïences pour les bourgeois de la ville, mais là encore, pas de fabrique. En fait, l'implantation de la porcelaine d'Arras nous vient d'un certain Boussemard, peintre décorateur à Lille, qui décide, après peut-être quelques essais infructueux, de s'installer dans cette ville où il est né. Il se met aussitôt en quête d'associés, car le matériel est coûteux, et il va tout naturellement trouver les quatre sœurs de Lemaire, dont le père vient de mourir. L'idée intéresse ces demoiselles. Pourquoi s'en tenir uniquement à la vente quand il y a aussi possibilité de fabriquer? Mais Boussemard est à leurs yeux un bien pauvre partenaire. Elle l'écarte de l'affaire et s'associe avec un marchand de vin d'Arras. Nous sommes le 2 mai 1772. Les fours et l'atelier de fabrication sont installés d'abord rue de l'Ancienne Comédie, mais les débuts sont difficiles. L'aînée des Delemère, Marie-Louise, décide de s'adresser aux États d'Artois pour obtenir quelque argent. Après enquête, un prêt de 10 000 livres leur est accordé par M. de Calonne, alors intendant. La manufacture peut prendre son véritable essor. Le 17 mai 1772, les locaux de l'Ancienne Comédie sont abandonnés au profit de ceux du refuge de l'abbaye des Trains, au 41 et 43 de la rue d'Amiens. La matière première provient des campagnes environnantes et un gros moulin est installé près de la fabrique afin d'affiner la terre pour le tournage des pièces. La production de porcelaine à pâte tendre est lancée. Le pari est de concurrencer celle de la Compagnie des Indes qui domine le marché. Le décor créé par des dessinateurs venus des manufactures voisines est au début sans grande originalité. On copie à peu près fidèlement le motif de tournée, lui-même inspiré des décors chinois. Les artistes de Chantilly reprennent la célèbre brindille. Le premier décor, personnalisant vraiment la porcelaine d'Arras, est celui dit de Monsieur de Calonne, inspiré de la dentelle de son habit, et cela en remerciement des services rendus. Des assiettes à décor polychrome sortent des ateliers. Mais cette production est, semble-t-il, très limitée, car certainement beaucoup trop coûteuse. Les quelques pièces qui survivront au temps enrichiront les collections du musée d'Arras. En fait, le décor le plus répandu et qui caractérise le plus la production des sœurs Delemère, c'est le décor à la ronce. Un filet autour duquel s'enroule une ronce. La couleur utilisée est le bleu de cobalt.
Mais si la fabrique est prospère au tout début, les difficultés financières ne tardent pas à réapparaître. Comment lutter contre la concurrence des produits de la Compagnie des Indes exempts de taxes, ainsi que ceux de Tournai bénéficiant des mêmes avantages? Malgré quelques dernières initiatives pour des formes nouvelles, les affaires vont de mal en pis et les sœurs de Lemaire ne peuvent plus rembourser le prêt consenti et en 1790, alors que la révolution gronde, la manufacture est vendue en biens nationaux. Il semble alors que la porcelaine d'Arras a vécu. Pourtant, environ deux siècles plus tard, place de la Vacquerie, un artiste local décide de relever le défi. Encouragé par son épouse, Henri Caudron entreprend des recherches pour retrouver les secrets de fabrication des décors qui, jadis, avaient fait pendant 20 ans les beaux jours de la porcelaine d'Arras. Ne pouvant tourner les pièces car la matière première n'existe plus, il va travailler sur les blancs émaillés qui lui sont envoyés de tous les coins de France et principalement de Limoges. Tour à tour historien, chimiste et artiste, il redécouvre le bleu d'Arras et les motifs du décor d'autrefois. Sa production sera d'abord classique. La matière utilisée est le bleu de cobalt qui, mélangé longuement avec des essences grasses, donnera la couleur de base. Mais la difficulté vient surtout de la précision du dosage au pinceau. En effet, l'artiste qui peint le décor doit maîtriser parfaitement la quantité à déposer. Ce sont ces nuances dans les épaisseurs qui feront la palette des bleus. Les éléments peints sont mis au four et portés à une température avoisinant les 1100 degrés. C'est alors que le décor pénètre dans l'émail ramolli par la chaleur et prend en refroidissant son éclat définitif. La technique des décors anciens étant définitivement acquise, Henri Caudron et à sa suite son fils Louis partent à la recherche de motifs nouveaux sur des formes nouvelles. Les idées ne manquent pas et c'est surtout dans l'histoire de la ville d'Arras et de ses environs qu'il trouve la source principale de son inspiration. C'est par exemple le foyer Soleil, ancien siège des messageries d'Arras sur la place de l'ancien rivage. Site d'un village typique avec son traditionnel moulin. Ou même une scène légendaire d'Arras au Moyen Âge. Dans le domaine des techniques nouvelles, c'est sur le polychrome que portent essentiellement les recherches. Le travail est long et fastidieux, compte tenu du fait qu'aucune couleur ne cuit à la même température
et c'est chaque fois une remise en question, des essais et des échecs, avant d'arriver à la perfection. Mais la famille Caudron n'a pas l'habitude de se battre contre des moulins à vent. Où s'arrête le travail de l'artisan et où commence celui de l'artiste? C'est dans la porcelaine que l'on peut entrevoir une réponse. Car à l'image du décor, qui pénètre intimement dans l'émail pour y puiser sa force et son éclat, ces deux attributions d'artiste ou d'artisan sont, chez le porcelainier d'Arras, définitivement confondues.